Univers de Gashorman présente Gashorman versus Parents indignes. Oui, une sorte de leçon que Gashorman ne supporte pas par les mauvaises actions, bien sûr. Ou comment, dans un mariage, cérémonie et résultat arrosé. Gashman passe à l'action pour gâcher le mariage. C'est son devoir de vengeur. Et pendant ce temps, au décollage de son vol, il vole pour opérer si un mariage par ici pour qu'il gâche. Quelqu'un appelle Hey Gashman! Un jeune garçon qui est venu appeler Gashman. Gashman arrive ici et le jeune garçon veut appeler Gashman. Et là, il dit. Bonjour Gashorman, je m'appelle McCoy et je suis votre plus grand fan. Et vous êtes mon héros. C'est ce qui vous êtes mon héros. Et Gashorman répond, merci McCoy. Tu m'as appelé? Il m'a posé la question pour quelle raison il a appelé. Et là, Michael dit, oui, mes parents vont se marier. Mais le pire, ils sont indignes. Ma mère a envoyé mon grand frère à l'école militaire. Mon père est injuste de moi et mes frères. Nous sommes cinq fils et on n'a pas de sœur. Oui, quand Gashman comprend le problème résultat pour ce pauvre McCoy et ses frères, et qu'il raconte que les parents sont indignes, Gashman sera là pour aller mettre un terme à ses bêtises. Et là, il dit. Conduis-moi à la cérémonie, s'il te plaît. Michael conduit Gashoma à la cérémonie où ses parents indignes vont se marier. Là, ils vont préparer leur anniversaire de mariage de cérémonie de tradition. Et ils sont là. Et voilà donc le père, la mère, les parents indignes, bien sûr. Et quand soudain, Gashoma est là pour les arroser de la leçon qui mérite les indignes. Et une fois fini, là le père dit, pourquoi il est là, celui-là? Et là, c'est Michael répondant dit, c'est moi qui lui demande de gâcher votre mariage. Et quand la mère a dit, répondit, Michael, toi, je vais te tuer, toi et tes frères. Quand la mère a dit, présente cette mauvaise réponse, résultat, elle vient de se faire en bas, arrêtée par un policier et a menottée. La police est là pour arrêter parents indignes, bien sûr. Et là, il répondit, vous n'avez pas le droit. Et là, résultat, surprise. Si, ils ont le droit. Et là, la mère a dit, il connaît bien ce jeune homme-là, le majeur. Et là, il dit, Francis, tu n'as pas le droit d'être ici. Retourne à l'école militaire tout de suite. Mais là, que le Francis dit, non, maman, toi et papa, vous êtes des parents indignes. Et là, il dit aussi, et c'est moi qui ai appelé la police contre vous. Et là, quand le père a dit répondre ça, quand son fils nommé Francis dit ça, là, le père il dit, je vais te tuer. Et hop, lui aussi menotté. Et hop, les parents indignes. Direction la prison. Et le pire, leur costume, leur tradition de mariage ont été maintenant enlevées. Ils ont pris leurs vêtements et résultat, ils sont condamnés. Et le juge déclaré coupable et ils sont maintenant condamnés à remplacer par de clones gentillesse. Ça y est, leurs clones ont été faits, ils sont gentillesse. Et tout soudain, les Michael et Francis et ses frères, plutôt dire ils sont cinq. Et sont ravis d'être aimés par les parents de gentillesse. Voilà les clones de parents de gentillesse. Ils sont aimés. Ils sont adorables, ces clones de gentillesse. Et résultat, voilà le prix à payer pour ces parents indignes. Et voilà le prix à payer. Ils sont humiliés. Ils ont été remplacés par des clones de gentillesse. Et le voilà, direction en prison. Pour payer leur dette, ce qu'ils ont fait. Mauvaise manière aussi. Fin de l'histoire de Gashoman d'avoir fait un espoir de mettre un terme, condamner les parents indignes, remplacés par les clones de gentillesse, pour qu'ils soient humiliés.